Salut la compagnie! Après Sylvestre, on est retourné un petit peu sur la côte. Ça nous plaisait bien la côte. Et là, on a fait une belle rencontre. Une belle rencontre de gens sympas qui voyagent, comme nous, et qui ont une maison. On était jaloux. Elle était jolie. Elle était en bois. Ça faisait un mois qu'ils étaient partis avec leur belle maison. Et on les a croisés, ils nous ont payé un café. On a discuté pas mal, et ils ont écrit un livre, parce que c'est pas leur première expérience. Ils étaient déjà en Amérique du Sud, et ils avaient deux enfants. C'est toute une famille. En fait, leurs enfants, ils les ont toujours, et ils sont toujours avec eux. Même que le gamin, il est plus doué que moi en géographie. Alors non seulement ils étaient sympas et ils nous ont payé un café, mais en plus ils nous ont permis de filmer et de visiter leur maison. Du coup, vous pouvez en profiter aussi. Ils sont d'accord. Et là, ils vont au Maroc. On s'est échangé quelques astuces de voyage, des bons plans. Après l'Iran, je sais pas. J'aimais vraiment beaucoup leur maison sur roulettes. Elle était vraiment chouette aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un petit chalet en bois qui roule. Mon rêve. Ça, c'est leur livre. Et ça, c'est eux. J'espère vraiment qu'on va les recroiser. Après cette belle rencontre, on s'est rendu chez Mickey, une artiste qui a créé une aire de camping-car à Péra. Une aire atypique, sympa. Ça reste une piscine. Puis l'heure était venue pour Patty et Romain de partir, de rentrer doucement vers Strasbourg. C'était bien, c'était une belle aventure, c'était super. Et puis bah, un bon moment, il faut se quitter, hein, bah voilà. Mais on se retrouvera en Alsace, ça c'est sûr. Merci TravelSign. Iska et Harley n'avaient pas l'air très contents de se séparer. Et voilà, ils sont partis, et pour l'instant, on les a jamais revus. Du coup, on est allé au lieu de vie, du lieu où on était, et on est allé se détendre un peu sur les canapés. On a fait le montage vidéo que vous êtes en train de regarder. Et voilà, cette vidéo prend fin sous le cri du petit oiseau qui est juste à côté de nous. On vous souhaite une excellente journée. À bientôt !
Salut les amis.